Hello, Night City! À notre grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 piles hier, 10 rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs! On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça! Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, encore des netrunners occupés à trouer le réseau électrique! Tandis que dans les rues de Westbrook, la Trauma Team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée! Et à Pacifica! Eh bien, Pacifica reste Pacifica! C'était votre ami Stan! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rats! Hey. Hey. Le son est un peu fort, non? La musique est un peu forte. Voilà, ça devrait être bon là. Ouais, c'est bon. Allez, donc, normal. Nomade, gosse des rues, ou corpo. Allez, nomade. Moi c'est V. Moi c'est V. Moi c'est V. Moi c'est V. C'est juste dégueulasse. C'est quoi cette coiffure? Là, ça c'est la coiffure Prodigy. Tahiti Bob, c'est quoi ces machins? Bon, déjà la couleur, hop, noir. Moi, ah, pas limite celle-là. Couleur des cheveux, les yeux.
Bon, allez, ça devrait être bien. Noir. Ouais, ça me paraît pas mal. Curiosité faciale. La 5 est pas mal. La 2 aussi. Non, pas de piercing. Maquillage des yeux. Non, je pense à 100. Rouge à lèvres 100. Maquillage des joues 100. Couleur de bouton 100. Couleur des ongles. Téton avec. Tatouage sur le corps. Cicatrice sur le corps. Ah, ok, c'était dans le dos. Non, ça va aller comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du cac, moi. Du cac, alors de la consti. Capacité technique. Hop. Encore 4 points. Bon, allez, hop. À l'ancienne. Consti. Si j'appuie là. Ah! Il marche le Lister que j'avais vu alors. Allez. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Ben, je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade ce qu'il fait seul près de la frontière. Mais je te demande, toi, ce que tu fais pendant ton temps libre. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Barre-toi! Vous avez une idée de ce que vous faites? Non. Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va scripter. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? T'es jolie ma titine! Je peux fermer ça? Ok. On va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Ah non, 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 non. Ah,
c'est pas trop mal. Mais la question, c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein? Vous devez pas capter grand-chose. Sans déconner. Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures, je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas Mike, on va mettre les choses au clair. Putain, il a la voix du mec dans Archer. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène. Peut-être même autour d'une tasse de café. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler? Non. Pas vraiment, non. Les shoguns d'argent des forces spéciales pendant la dernière guerre. Non? Non. Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Tête de con aussi, non? Je la répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Putain, je peux pas lui rouler dessus, là? Y'a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? J'aurais 50 millions de réponses à te donner, mais je pense qu'il y en a aucune que tu aimerais. Y'a pas de clan, et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben, j'espère que vous resterez pas longtemps. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. J'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? Vous aimez bien le son de votre voix, hein? De quoi vous parlez? Ça veut dire quoi, ça? Rien. Je veux dire que t'es un con, c'est tout. Ouais, ça vaut mieux. Putain, je peux pas y rouler dessus. Ah putain, non. C'est qu'une ligne droite. Ah, ils ont amélioré le pilotage quand même. Hein. Ça commence par le Y'a rien par là? Non. Allô? À toi! À toi! Ah, je te reçois, ça y est. Willy McCoy, c'est bon de t'entendre. Vé! J'aimerais pouvoir en dire autant. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore? Une dernière fois? Tu dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit, au bon moment? Hein? Bien sûr que oui. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi?
la dernière fois. T'as le nom du client ? Jackie Wells. Ah ok, c'est lui le contact. Il a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Ah, merci Willy, je te revaudrai ça. T'as intérêt ? Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. Là, il y a un truc là-dedans. Ça, par contre, ils ont pas réparé. Tant pis. No comment. Je suis tellement habitué à juste avancer vers l'échelle et que ce soit automatique. Putain, j'ai même pas d'armes. Ok. Par contre, ce GPS, c'est le GPS de Satan, quoi. Tu vois rien dessus. Attends, je loot d'abord. Je loot et on parle. Je crois, ouais. Et toi, t'es... Je m'appelle Jackie Wells. V. T'as une cargaison à transporter, apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaires. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis? Ok, dans ce cas, on commence par toi. Je suis né à Night City, un pur produit d'Haywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Bah, imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou Bla, 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 bla. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, et tout le monde porte un crasher. Et toi ? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Haywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. Cargaison. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Je commençais à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. Et t'as pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce compte shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Oh, la bagnole de Kéké que ça j'ai pèse une tonne. Oh, c'est bon, tangent de la mort. École.
Est-ce que t'as le manifeste pour le transport? Évidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot? Si, si. Je voulais juste être sûr. Écoute, mon grand. On est tous les deux des pros, ok? T'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc? Pourquoi? Mais oui. Moi? Pour favor. Ok. Peut-être un peu. Hey, on approche de la frontière. C'est quoi la suite? Rien. Faut nous scanner et contrôler nos papiers. Ah. Ok. T'inquiète, laisse-moi parler. Les gros sauvages. Oh putain, elle a déjà pris cher. Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. J'ai un très mauvais pressentiment. Passe-moi le manifeste. Ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Ah, puta madre. Et maintenant? Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakshish? Oh, ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oubliez. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça part en couille. Ok. Putain, c'est pas avec cette bagnole là qu'on va... qu'on va faire des trucs de fou. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Ben oui, j'avais un gun. Présentez-vous en salle numéro 2. Asseyez-vous. Il y avait du sang sur le siège. Contrôle de routine? Peut-être. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez? Tout est là. Vous êtes sûr? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez. Aucun clan. Je roule tout seul. Pour moi. C'est... courageux et pas très malin. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, oh, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. Mais ouais, c'est ça, ouais. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Tous ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut? Comment ça s'est passé? Je te raconterai, dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. On va se rattaquer après. J'ai un mauvais pressentiment. Jackie, tu veux pas passer la seconde? Ça t'arrive souvent. C'est rare. Tu crois que ça sent les emmerdes? Concentre-toi sur la route. Non mais passe la seconde.
quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là. Ok. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Non. J'ai dit, passe la seconde. Tiens. T'inquiète, je gère. Je suis pied au plancher, on va l'espérer. Je crois pas, non. Chingue la su madre. Faut pas qu'on s'arrête. T'arrêtes pas, on peut pas rester là. Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Fais chier. C'était censé être un job tranquille, sans accro. Hey, si tu penses que c'est ma faute, t'es qu'à me le dire en face. Je sais pas. C'est ta faute ? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimbalait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent ? Et s'en tirer comme ça ? Il a pris un risque. Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir, et il a eu raison. Penderamenter et des colons. On fait quoi maintenant ? On a passé la frontière. Maintenant tu me payes, et on part chacun de notre côté. Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo contre un bal. Et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es un chic type. J'apprécie ton honnêteté. Merci. J'aurais pu ne pas le dire. Alors, c'est quoi la suite? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-la. Oh merde! Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Oh mames, un vrai iguane. Des petites antilles, je crois. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire, on va faire moite-moite. C'est un cool. Bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même, j'ai toujours voulu avoir un animal. J'avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Non, j'ai zéro plan. J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Ils t'attendent sûrement quelque part, non? Pas vraiment. On a décidé de se séparer. Ça doit être dur, hein? De plus avoir de point d'attache. Mais t'en fais pas.
Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé ! Non, il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boaboa. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on la voit parler de vous. Wouh! Ou alors quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre! À Night City! La cité des rêves! D'accord. La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux, ok? Il y avait de la brume. Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Alors? Pas maintenant, non. Jack. Pas le temps. Peut-être plus tard. Ok, ok. Mañana. Mañana. C'est parti. Alors, j'avais récupéré un t-shirt. Un magnifique Marcel. Démonter Z. Hop. J'ai rien d'autre, j'ai pas d'armes. L'ascenseur, par ici. Ah! Ah! Il y a de la merde! J'ai l'air moins con. Hop. Des menottes. S'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hé, hey, on va arriver à temps, Bug. On. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade ? Charmant. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y'a pas marqué ligne de l'amitié, là.
La Camelot. Donnez-moi votre Camelot. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visée sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on arrive pas trop tard. Oh, je déteste quand ça se joue sur lui. Entrez à la maison, toi. Voyez-vous. Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V? Ouais, ouais, je vais pirater. Faut juste que tu me dises comment. Cette dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reprocer ta tête de contrebande. Clairement, du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. Des armes. Pistolet cinétique. Ça peut toujours servir. Lâcher un froc, mais c'est de la merde. Mais... Ah ! Putain, elle est violente, hein. Ah merde, je réponds. C'est elle. V, c'est notre cible.
Pourquoi ça lag d'un coup? Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reprosés à tête de contrebande. Clairement du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. Hé, tiens-toi prêt. Mène des roses droitement. Pourquoi ça rame? Quitte-le en silence, mais... On va y aller comme des gros sauvages. Attention. Faites gaffe. Il y en a d'autres qui rappliquent. Ils sont presque là. Des osseurs d'une couille. La clinique des osseurs est dans la merde. Juste pour vous. Défoncez. Là, j'ai plus de balles. Ouais, je vais y penser. D'abord tu vises, et après tu les exploses. Promets-moi cet enculé. On a le tir. Merde. Non, pas y'a, bah vous grignez. Fais ça, cabrones! Envoyez la cavalerie! On arrête de jouer! Да я тебя с потрохами сожру! Ты афура! Ховеле! Joli tir! Viens me montrer ce que t'as dans le front. Non mais, on tire pas dessus. Chinga la madre. Mais arrête de gueuler toi aussi. Crevez-le. Ça rame. Attention. Je me gueule la madre. Je viens de finir de pirater la porte. Soyez prudent. Fais leur chicler, c'est un mauvais. Allez. Merde. Mais arrête de gueuler.
Et c'est... C'est TP. Le capteur détecte aucun mouvement. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où, notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part. Ouais, mais je pourrais pas l'emmener, cette arme. Putain de bordel. Et si je sauvegardais et je redémarrais le jeu? Voilà, je vais redémarrer le jeu, parce que j'aime pas quand ça rame. Ouais, mon icône elle est là. Hop, allez, je redémarre. Hello, Night City! Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Night City? Il a été baptisé Kujira, la baleine. Apparemment, la Corpo l'estimait menacé dans les eaux japonaises. Il craignait que des pêcheurs... De merde! Ah, là c'est mieux. Merde, mais... Je sais pas pourquoi ça ramait d'un coup. Mais là... Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. C'est pas bon signe. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La Trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Cara, Rotibug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son aéroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Oh merde! V, dis-moi ce Jackie, qui se passe. Jackie, Eripo! Merde, ça craint! Attrape, essaie! Ouais, je crois. Il y a même la petite marque. Putain, ça a marché. Voilà, c'est bien foutu. Emmène-la dehors. Voilà, sors-la d'ici, la terrasse. Atterrissage, dégagé. Lancement du protocole de sécurité.
Déposez la patiente au sol. Là, ils rigolent pas les mecs. Hein. TT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot, on a réglé ce merdier. Allez, tu viens, je déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça peut être la petite... J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Attends, d'abord, je loot. Laisse-moi looter. Je crois que j'ai tout looté. Alors, qu'est-ce qu'on m'a laissé? Je peux pas l'utiliser? Quoi? J'ai le bon niveau. Action impossible. Bah merde. Onde de mime. La revanche de Jésus. Tu me sauves la vie, V. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je suis claqué. J'ai failli oublier. Faut appeler Wakako, lui dire que le boulot est fait. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson, le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Il paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, il va falloir mettre le turbo. Si je pose... Allez, c'est mon ami, je veux pas le laisser là, moi. Je peux sauter. Voilà. Non. Thank you.
Tu te manges ? Bon, tu te manges ? Mais il peut pas monter. Ah si. DMCA. Décidément, je kiffe Night City. C'est une ville comme une autre. Non, plus grand. Non, Mano. Elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Tony Whelan, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, qu'est-ce t'en dis ? Jackie, vous bouclez Watson, tu te souviens ? Ah, merde. C'est vrai. Je suis parano. Merde. Je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. C'est des os ! Bande d'enculés ! Putain, Jackie, roule ! Allez, vite ! J'essaye, arrête de zigzaguer! Accroche-toi, V! Merde, pardon! Vous avez eu les connards! V, fils de conducteur! Chingalo! Désolé, V. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée? Ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Et je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez ? C'est une raison valable. Regardez-le. C'est pas le citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. Laissez-les passer ! C'est les derniers ! Merci, madame ! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. Tu lui as fait de l'effet, on dirait. C'est la dévotion dont j'ai fait preuve qui l'a prise au trip. C'est ça. Je suis ultra loyal, stable en amour. Mm-hmm. Et modeste en plus. Tu me connais. Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires.
Ça, c'est la Max Tac. À côté de l'ENCPD, c'est des comiques. La Max Tac se pointe quand ça chie vraiment. Des pommards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Chez toi. Et toi alors, il y a peu de chances que tu puisses rentrer à Heywood. T'inquiète, V. Ils vont me laisser passer. T'en es bien sûr? Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa. Le bonjour à Misty. Ça marche. J'ai oublié de te dire, je connais un runner qui pourrait être utile. Je t'envoie ses infos. Loué soit le Seigneur Tout-Puissant. Et notre deuxième invitée est Karina Lee, la présentatrice de la célèbre émission Chipin, qui promeut l'utilisation d'un plan cybernétique. Ça va la vie, ma jolie. J'ai pas besoin, Ziggy. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de... Il est encore bousillé. C'est la troisième fois. J'ai déjà payé deux fois pour le faire réparer. Ça doit être un genre d'arnaque. Licorne noire. Allez, on va en rester là. Ça fait de la... presque une heure et demie. Allez, ciao ciao les gens et... ciao ciao la VOD.